Après vous. Regardez où vous marchez. Mesdames. Par ici. Vous êtes sûr? On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Mais si, regarde. Vous voyez? Tu en es certain? Et faire de la magie et tout. Je vais te montrer quelque chose. Bien qu'elle serve à quelque chose, la grognasse. Elle a un arc, elle aussi. Regarde bien. Les hostes. Hein, voilà à quoi ça sert. C'est de l'architecture elfique. Elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez, il va pas disparaître? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Waouh. J'en veux une. J'en veux. C'est vrai que c'est stylé. Ces racines. De quelle magie s'agit-il? Celle d'Evan. De Vanaheim? Tu les connais? Seulement quelques histoires. Maman m'a pas dit grand-chose sur les dieux Van, à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les As. Et qu'ils étaient très forts pour faire des blagues aussi. Et Thor, ce sont les gentils. Il n'y a pas de dieux bons, Atreus. Tous des fils de pute. Déjà dit. Est-ce que tu peux lire ça, prêtresse? Hein? La langue de Niflheim. Un désert de glace et de brume. Où règne la traîtrise des nains. T'aimes pas trop les nains? Ce que je vois? Un petit peu raciste? Allez, ouvrons ça. Mais vu qu'elle sait lire. Temple de Tyr. Le grand Tyr l'a construit avec l'aide des géants. Ah mais c'est réveillé l'autre connard. Il parcourait les 9 royaumes pour y maintenir la paix. Ils m'ont pas l'air très paisibles. Partout où on va, on se fait attaquer. Surtout par des morts. Les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts de gens. Aujourd'hui, ils ont fui ou ils se cachent. Seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde. Les pillards et les uns. Ouais, c'est ce qu'on voit à chaque fois. Au départ, c'était un pillard humain, puis on l'a tué. Les Valkyries ne sont pas censées emporter les hommes morts au combat? Pas cette fois. Il est revenu sous une autre forme. Avant qu'elle ne meure, j'avais entendu Mère dire à Père que les Éléens étaient de retour. Est-ce de cela qu'elle parlait? Des morts revenus à la vie? Père ne semble pas savoir, ou s'en soucier. Puisque cette chose était un pillard, je l'appellerai pillard Éléen. Bravo, gamin. Tournez à droite au bas de ces marches. Pour faire quoi? On va l'écouter, hein. Écoute, on a que ça à foutre. Ouais. Ah, tu parlais peut-être de l'autre escalier, mais oui, mais indique un peu mieux tes trucs aussi, grosse conne. Voilà. Tiens, encore un cristal lumineux. Regarde, elle va tirer sa petite flèche. Là, je vais ranimer la lumière. Ça a marché. Ça aurait été plus simple d'en Qu'est-ce bas. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On va réparer le mécanisme. Commence par soulever cet essieu. Je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bien, maintenant remets-le en place. Et comment? Allez. Maintenant, aligne la roue sur le rail. Dans le plus grand des calmes. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail. Esclave, bonjour. Et Atreus, il se pose là, tranquillou. Wow. Hein? Tu fais tourner tout le pont. Et tout le pont, il bouge. Comment est-ce que tout le pont peut bouger? Oh, t'es vraiment très fort. Ah bah oui, le biscotto. Biscotto de papa. Que le pont revienne dans sa position initiale. D'accord. Tu fatigues? Non. Non. J'ai toujours été très fort. À propos de ces morts, on a entendu quelqu'un les appeler des Éléans. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de pauvres âmes tourmentées, qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui? Est-ce que la magie d'Evan peut ressusciter les morts? Elle le pouvait autrefois. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. Sûrement le barbu qu'on a défenestré, là. Ça va être lui. Voilà. C'est prêt. Oh. C'était très impressionnant. Je sais, je suis balèze. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère. Mon dos va très bien. Va très bien, très vite, ferme ta gueule. À travers ces portes. Attendez, ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr? Toutes les races ont aidé à sa construction. Eh ben. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon. Eh ben, ils savaient faire des trucs sympas, hein, quand ils se coordonnent, ces connards. Normalement, c'est l'atelier de Brock. Il est plus là, ce con. Léos,
La corde de votre arc ne brille plus. Son pouvoir s'est épuisé. Ah bah voilà. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées. Ah, parce qu'en plus c'est un CDD, c'est pas un CDI. Passe-moi ton arc. Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. N'oublie pas. Stylé. Stylé. Ah non, tu peux te branler sur cette corde, gamin. Elle l'a enchantée et tout, vas-y. Vous parlez comme si vous veniez pas avec nous. Je vais essayer. Mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Et par quelle magie? Les dieux ne m'apprécient guère. On se demande pourquoi, hein? C'est pas faire la cuisine, à mon avis. On y est? Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Donc 150 ans, quoi. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. Quoi, le Bifrost? Où est-ce qu'on atterrit maintenant? À la base, je devais juste jeter des cendres de ma femme. Waouh. Ah, les jeux de lumière, les effets, c'est juste trop beau. Votre magie produit pas ce genre de racines. Elles sont différentes. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles permettent de voyager entre les royaumes. C'en est presque futuriste, quoi. C'est trop classe. Un petit champi. Approche-toi de la table. Vas-y. Comment ça fonctionne? Tu auras besoin de ça, un Bifrost. Un Bifrost? Pour passer entre les royaumes. Le Bibi, le Frofrost, le Bifrost. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. C'est quoi ce chiot machin? Hein, c'est quoi ce chiot machin? Dans la plus grande décadence, comme à chaque fois. Sois patient. Le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Oh. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes. D'accord. Ainsi que les tours des royaumes qui encerclent le lac des Neufs. Donc, dehors. Neuf temples. Tous les royaumes existent dans le même espace physique, et sont le reflet les uns des autres. Ces portes, les tours là dehors, et les neuf royaumes sont tous entrelacés et coexistent sur les branches de l'arbre monde. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. C'est Stargate, quoi! Alors c'est ça l'arbre monde? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre monde est lié au destin du monde, tout comme nous le sommes. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, l'arbre soutient toute la création le long de ses branches. Oh, Ego, tu vas te calmer. Son énergie vitale se fond dans la tapisserie de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Tous ces fils transcendent le temps et transcendent l'espace. C'est beau. Et tout revient à l'arbre. C'est très beau. Voilà. Cela fonctionne ainsi. Mais j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. Oui. Clairement. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination, Alfheim. Donc ? Oh ! Est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps ? Oui. La roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes en gros le lac dehors. Mais... Ouais, c'est comme un passage interdimensionnel. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, la séquence ne peut commencer. D'accord. Donc, c'est un peu... Tu sais, à quoi ça me fait penser? À un autre jeu culte de la PlayStation. Crash Bandicoot avec le... Tu dois choisir le royaume où tu souhaites les portails. Alfheim. Oui, je sais, c'est bon. Chaque royaume dispose d'une rune qui débloque le pont y menant. D'accord. Je te donne celle d'Alfheim. Ça, c'est une rune. Tu peux choisir ta destination maintenant. Donc maintenant, on sort et c'est bon. À chaque fois, je vais devoir faire ça pour aller dans un royaume. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 royaumes. Nous sommes prêts. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Ah, le Bibi, le Frofrost, je le perds maintenant, pas. Le pont de passage va s'aligner. Et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. Et c'est quoi ce monde d'Alfheim? Putain, qu'est-ce que c'est beau, ça, c'est fou, quoi. Vous voyez ce cristal géant?
Chaque royaume possède le sien. Il concentre et amplifie le pouvoir de Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac ? La tour de Jotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de 100 ans. Donc on peut y aller. Quand les géants ont quitté Midgard, personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. Mais ça ouvre quoi ? Ça a pas marché. On est toujours là. Alors, on va pas se téléporter comme ça. Le Bifrost est noir. C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière d'Alfheim. Alors nous sommes coincés. Génial. Avec tes ressources, n'aura aucune difficulté à revenir à Midgard. Bon. Et on pourra repousser le souffle noir ? Une fois que vous aurez la lumière d'Alfheim, oui. Putain, mais regardez ça, quoi. Franchement, si c'est pas magnifique. Waouh. C'est trop, trop classe. Cette salle, elle tue. Le concept, tout ça, c'est... Je l'avais déjà vu dans d'autres mythologies nordiques, mais c'est tellement bien fait. Allez, l'équipe. On a un royaume à saccager, j'ai envie de dire, parce que le haut Kratos passe, la lumière trépasse. Et les cheveux aussi. Les cheveux. C'est Jurassic Park ici. Joli. Waouh. Bienvenue à Alfheim, messieurs. Vous pourrez apercevoir la lumière. Je la distingue à peine. Ce n'est pas normal. Ah, il y a une couille dans le pâté. De lumière au loin. Elle est située dans un temple en forme d'anneau. Ce qu'on cherchait là-bas. Non. Non, non, non. C'est pas vrai, pas déjà. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour rétablir la magie du Bifrost, tu dois entrer dans la lumière. Mais prends garde à ne pas te faire piéger dans les quoi ? Non ! Il s'est fait aspirer. Comme un aspirateur. Elle est pas morte, pas vrai? Il y a peu de chance. Mais c'est pas mon problème. Ce que je veux savoir, c'est quoi cette merde surtout. Cet endroit est incroyable. Reste à côté de moi et ne touche à rien. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Regardez, c'est... Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne touche à rien, ça veut dire quelque chose, bordel. Oh, il me gave. Tu reviendras sûrement pas. Non, non. Mais vous savez, il y a que deux licences qui ont réussi à me faire cet effet wow. C'est wow, World of Warcraft et God of War là. Parce que bon Dieu, regardez ces décors, c'est dans ce nœud, tu vois ? Époustouflant. Oui, ça brille et de quoi ? On se branle dessus ? Je crois que tu l'as tué. Ouais, tout ce qui est beau, moi je le tue, hein. À mort le beau. Et il y a toujours de l'argent. Peu importe les mondes, on retrouve toujours de l'argent. Ça, c'est... Regarde là-haut. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ont fait ça ? Ça ne nous regarde pas, Atreus. Concentre-toi. On a d'autres chats à fouetter, nous, Atreus. Peu importe qu'il y ait des fantômes noirs et des fantômes blancs qui se... Oh, mais oui. Regarde, on peut les voir là. Je sais pas c'est exactement ce que c'est. C'est des personnes en peignoir. C'est la tribu des peignoirs, peut-être. Ils se sont fait bien défenestrer. À être habillés comme des vierges. Là, regarde. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça parle d'une guerre éternelle pour la lumière. Je comprends pas. S'ils en ont tous besoin, pourquoi ils la partagent pas ? Parce que c'est des... cupidité. Voilà. Tu apprendras vite qu'elle est à l'origine de bien des guerres. Toujours. Oh, c'est un tout nouveau royaume, c'est trop stylé la vache. Petites attaques sautées, ça me plaît bien ça. Et en même temps, on va débloquer ça. Bouf, Sagama. Elle revient. Et tu la relances. Oh, j'ai hâte de tester ça sur les habitants de ce royaume. Viens par là, gamin. C'est pas parce que c'est pas chez nous qu'on va se gêner.
Quoi? Qu'est-ce que c'est encore ça, des... Ils continuent de tuer les elfes blancs. C'est des elfes, ça? Ça reste une guerre, même si elle est sur la fin. Des dépossédés ou perdus. Qu'est-ce que vous voulez, les elfes noirs, hein? Et voilà, il faut qu'ils soient racistes. Oh, j'ai pas vu ça. Moi, je veux voir ce que ça fait. Allez, donne-le-moi. On va les faire voler, ces petits papillons. Oh, 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 oh. Très, très, très joli. Esquive, gamin. Incroyable, c'est ça que tu dis? Lui, on va le calmer. Et on teste! Qu'est-ce que c'était que ça, alors? Elfes noirs. Contrairement aux elfes blancs d'Alfheim, les elfes noirs préfèrent les lieux sombres. C'est peut-être pour cela qu'ils veulent couvrir la lumière? Ils voient... Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'ils veulent. C'est des vampires. Je n'aime pas la lumière. Ils volent, sont intelligents et coordonnés, plus que nos précédents ennemis. Leurs armes sont efficaces, de près comme de loin, un peu comme la hache de père. Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? On leur a rien fait. Il en viendra d'autres. Bah ils nous font chier, écoute, hein. D'où sort cette matière, juste... On dirait du chewing-gum. Oui. Oui. Oui, il est content. Il est content, ce petit con. Peut-être des racines, il s'extasie. Oh, un coffre. Viens poignarder ça. Non. Ah, oh, d'accord. Allez, Jeanne d'Arc. Hâte d'entendre des voix et fais péter ce coffre. Oh, cette nouvelle dimension, c'est trop cool. Découvre des trucs comme ça et tout, genre. C'est génial. Bon, après, il y a des cadavres d'elfes partout, mais... Au moins, on se rapproche de la lumière. Ah, mais c'est magnifique, c'est... Eh, mais c'est Sindri. Sindri? Qu'est-ce qu'il fout, là, ce nain à la con? Qu'est-ce qu'il fait dans un autre univers? C'est des dieux, c'est pas possible, autrement. Celle-là... Belle pièce. Si je puis me permettre... Oui, bah permets-toi, mais reste calme.